Et 13h par ici, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h, le sommaire. L'achat des repas dans les sachets plastiques est devenu une pratique courante de nos jours. Pour les spécialistes, c'est un grand risque pour la santé. Le magazine est à suivre. La communauté internationale célèbre ce lundi la journée de la fille. À suivre dans cette édition, le message de la ministre Véronique Tony-Fodé-Mewanou. Vous suivrez également le compte rendu des différents plateaux de votre émission « Dimanche, c'est politique » de ce 10 octobre 2021. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Les sachets plastiques sont utilisés par bon nombre de personnes. Malgré les multiples sensibilisations, l'usage de ces sachets reste au premier rang dans l'habitude quotidienne. Quels sont les impacts de cette pratique sur la santé de la population et sur l'environnement en général? Élément de réponse dans ce magazine réalisé par Aziza Cham. Il s'invite dans le quotidien des Béninois. L'usage des sachets plastiques non biodégradables. Pratique moins coûteuse, ces sachets ont atteint une utilisation hors norme. Selon une récente statistique de Grönberg-Lee, chaque année, ils sont utilisés entre 500 et 1000 milliards dans le monde. Au Bénin, par exemple, les chiffres sur l'utilisation des sachets plastiques ne sont pas quantifiables, mais une évidence, ils sont utilisés à tort ou à raison. Ah, sans vous mentir, l'utilisation des sachets plastiques est une habitude de seconde nature, de première instance. Parmi les lieux où l'usage de ces sachets plastiques est criard, figure le marché d'Antokwa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, situé à Cotonou, capitale économique du Bénin. Tout surtout à Antokwa ici, à Cotonou. Et les bonnes dames et tout le monde ne peuvent rien faire sans utiliser le sachet par jour. Après l'utilisation, ils sont aussitôt déversés dans la nature et des flaques d'eau, vecteurs de désagrément environnemental. La première conséquence sur l'environnement, c'est d'abord la pollution esthétique. Vous voyez ces sachets déambuler ça et là. Si ces sachets plastiques ne quittent pas le circuit béninois, l'inondation va toujours persister. Les projets de salubrité du Grand Nokwe n'auront pas aussi leur impact sur le quotidien des Béninois. Alors, c'est mauvais pour l'environnement parce qu'on en jette le sac plastique et que le plastique n'est pas biodégradable. Le sac plastique va donc se retrouver au gré du vent, dans la mer, dans des espaces. Et finalement, c'est les poissons après qui vont se retrouver à manger ces trucs-là. Et à être, en fait, comme ce n'est pas biodégradable, ça ne se détruit pas. Et au bout du compte, ça tue d'autres espèces animales dont après on a besoin pour nous manger. Donc d'un point de vue écologique, c'est une aberration. Au-delà de cette aberration, c'est un réel danger qui guette les utilisateurs de ces sachets plastiques, selon le journaliste environnementaliste. Cela n'est pas perceptible au regard, s'il vous plaît, chers amis. Mais ces sachets sont fabriqués à base des dérivés du pétrole. Et nous savons qu'une dérivée du pétrole ne peut pas être profitable à l'organisme humain. Et donc, il va sans dire que même au niveau individuel, qu'on se sente interpellé par la question. Des effets nocifs sur l'organisme humain, ce n'est pas ce qui manque quant à l'usage de ces sachets plastiques utilisés dans l'achat des aliments. Lorsque l'on met des choses chaudes dans le sachet plastique et qu'on vous le verse comme ça, là, il y a une espèce de réaction qui se fait grâce à la chaleur qui fait qu'il va y avoir des produits qui, lorsqu'on va les ingérer, vont devenir toxiques à l'intérieur du corps. Des années plus tard, c'est long, mais ça va y arriver, des maladies qu'on appelle souvent des cancers. D'accord ? Le mot cancer, c'est en fait des maladies qui atteignent tout le corps, parce que le corps a été détruit avec des et puis c'est très difficile, on les soigne peu. Malheureusement, on en meurt beaucoup. Alors des cancers du sang, des cancers de la gorge, des cancers de certains endroits qui font qu'après, ben, on va mourir de ça uniquement parce que tous les jours, on a acheté des produits chauds que la bonne dame nous mettait dans du sachet plastique et qu'on a mangé comme ça
tous les jours. Depuis le vote de la loi numéro 2017-39 du vendredi 3 novembre 2017, portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin, plusieurs voix s'élèvent contre son usage, les pouvoirs publics également, de même que les associations, afin de réduire l'impact de ces sachets plastiques sur l'environnement. Intéressons-nous à présent à la Journée internationale des filles. Le Bénin, à l'instar des autres pays membres des Nations Unies, célèbre ce lundi 11 octobre la Journée internationale des filles. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies, elle constitue une occasion d'échange pour les intervenants dans la protection de la jeune fille. On prélude donc à cette journée, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message. Suivez. Depuis 2016, le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a introduit plusieurs réformes dont l'objectif est d'assurer aux jeunes filles l'éclosion de leur potentiel, leur développement et leur épanouissement. Au nombre des actions entrant dans le cadre de ces réformes, l'on recense l'exonération des frais de scolarité à toutes les filles des cours primaires et secondaires et de quelques filières des lycées, la distribution systématique de kits scolaires à toutes les filles orphelines et vulnérables à partir de la classe de CM1 jusqu'en classe de terminale, l'attribution de bourses d'études aux meilleures filles des filières techniques des lycées, etc. Outre ces actions, dont le but est d'assurer l'éducation des filles, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mène plusieurs activités pour permettre le développement personnel et professionnel de la jeune fille béninoise. La campagne Agbazache est l'un des projets sectoriels phares dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes filles à la santé sexuelle et reproductive sur les comportements à risque. Plus encore, le projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, le SWED, dont le gouvernement du Bénin est bénéficiaire, s'emploie à réaliser les droits et le plein potentiel de 3 302 000 jeunes filles et garçons d'ici 2024. Dans le but de renforcer la protection des filles et de leur assurer un environnement sécurisé, le gouvernement a transmis il y a quelques jours seulement à l'Assemblée nationale pour une étude en procédure d'urgence un projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la protection de la femme en République du Bénin. Mais avant cela, il faut souligner que des actions concertées sont menées par nos services en collaboration avec ceux de la police et de la justice pour réprimer les actes de violence envers les jeunes filles. Toutefois, je voudrais lancer un appel à tous pour que chacune et chacun puisse rester garant des textes de la République en veillant au respect des droits des filles pour la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est un défi à relever car nous ne saurons continuer à briser l'avenir des filles en perpétuant des attitudes, des pratiques défavorables à leur épanouissement. Je reste convaincue, mes chers compatriotes, qu'ensemble, nous releverons les défis auxquels les filles sont confrontées au Bénin afin que les indicateurs s'améliorent considérablement. La réforme dans le secteur de la décentralisation, la division de l'opposition et les législatives de 2023, la levée de l'interdiction d'exportation des produits vivriers, ce sont autant de sujets d'actualité qui ont fait objet de débats sur les différents plateaux de l'émission Dimension Politique. Compte rendu avec Diane Christelle Onoudje. L'administration territoriale en République du Bénin, l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la troisième session extraordinaire à l'Assemblée nationale, ouvert le jeudi 7 octobre 2021. Au cours de l'entretien de ce dimanche 10 octobre, Xavier Noumont et son invité sont revenus sur les promesses qu'offre cette nouvelle mouture de la loi sur la décentralisation. C'est depuis 2006 qu'on attendait que les textes de loi qui régissaient la décentralisation soient revus pour libérer tout ce qui a comme potentialité de développement de nos territoires à travers les communes. Il y a cet effort que le gouvernement peut faire
pour que le maire puisse avoir un droit de regard. Pour Franck Kenneva, si cette nouvelle réforme marche, c'est dans l'intérêt de tous les Béninois. Si la décentralisation marche, vous n'aurez pas tous ces émigrants qui quittent Beauport, qui quittent Londres pour venir dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne connaissent pas le code, ils foutent le bordel dans nos villes. Vous ne verrez pas ces personnes en quête de travail quitter l'intérieur du pays pour venir. Et lorsque vous êtes béninois et que vous allez n'importe où, dans n'importe quelle commune, vous devez avoir un minimum de services. Afin de pouvoir vous épanouir. Oui, voilà. Et donc c'est ça le développement durable. C'est ça le développement équilibré du territoire. Et je pense que avec la décentralisation et les réformes et tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, on peut espérer des résultats extraordinaires. Mais pour moi, il reste un point. C'est qu'il faut que le maire soit prééminent sur le secrétaire exécutif. À la question de savoir s'il était temps de repenser à la gestion des communes du Bénin, il répond qu'il souhaite vivement que ça prospère. La division de l'opposition et législative 2023, quel résultat? Tel est le sujet qui a fait objet de débats sur le duel de ce dimanche. Ils ont leur vision. Ceux qui sont en face de nous, ils ont leur vision du développement et de la démocratie. Nous, nous avons notre vision. Nous proposons notre offre politique, quitte au peuple de choisir s'il se retrouve à partir de ce moment. Lorsque l'opposition sera présente, ce sera un terrain d'échange, puisque la démocratie a consacré que le Parlement puisse être le lieu où l'on débat des questions de la vie, où chacun, le peuple dans ses variétés, dans ses variations représentées, puisse donner ses positions, qu'on puisse en tenir compte. J'encourage les unes, comme monsieur Lamidi, et c'est par les partis politiques qui viennent de naître, à travailler à ce que, à l'échéance prochaine, nous ayons tout le monde aux élections et que la représentativité soit transversale. S'il faille se mettre ensemble ou pas entre les partis politiques de l'opposition, tout se résume au temps. C'est ce qu'a insinué les débatteurs de ce plateau. C'est des tendances qui appartiennent tous à la mouvance politique. Pourquoi on ne leur dit pas de se mettre en un? Est-ce qu'ils sont un? Ils ne sont pas un. Très bien. Pourquoi on n'envisage pas cela comme une question de stratégie? Le mois venu, on verra s'il faut faire un groupe, s'il faut faire deux groupes, s'il faut faire trois groupes. On verra. C'est une question de ce qui sera adapté pour qu'on puisse pouvoir enlever le maximum de sièges. Nous avons un problème de structuration au niveau des partis de la mouvance, comme au niveau des partis de l'opposition. Qui peut faire quoi? Qui va faire quoi? C'est une question de temps. On ne peut pas fonctionner comme par le passé où chacun vient dire ce qu'il veut. Lancement de la construction de la cité administrative le jeudi 7 octobre 2021 par le ministre du cadre de vie avec l'opérateur chinois en charge de l'exécution des travaux. Un projet inséré dans le programme d'action du gouvernement de 2016, les invités de Théodule Roussa ont opiné sur le sujet. Le Bénin évolue, nous avons vu les maquettes, c'est déjà très joli, et c'est séduisant. Et ça donne l'eau à la bouche, comme on le dit, et on espère vivement que le projet sera concrétisé. Et pour le bonheur des Béninois, c'est pour nous, c'est notre pays qui grandit, qui donne une autre image au-delà de ce que nous voyons ailleurs. Aujourd'hui, nous pouvons constater ça chez nous, si ça se réalisait. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est clair qu'un travail a été fait. Il faut saluer le pragmatisme donc fait pour le gouvernement. Je ne sais pas si depuis 2016, on a pu dénombrer des réformes là au Bénin. C'est la preuve que nous avons affaire à des hommes responsables au sommet de l'État qui savent là où ils vont. L'autre sujet, celui lié à la levée de l'interdiction d'exploitation des produits vivriers au Bénin. Les produits ont commencé à être rares, puisqu'on a parlé d'exploitation incontrôlée. Ça veut dire que les produits sortaient n'importe comment et allaient n'importe où. Ça ne nous arrange pas. Nous produisons beaucoup ici. Il faut normalement, en principe, satisfaire les consommateurs béninois avant de penser à l'étranger. Nous sommes d'accord que les producteurs, ils travaillent pour également vivre de ça, pour que leur activité soit rentable. C'est normal. Donc, la décision que vient prendre le gouvernement est la preuve que ce n'est pas interdit pour interdire. Il y a une situation donnée qui a amené le gouvernement, n'est-ce pas, prendre cette décision-là. Mais dès qu'il y a eu un changement, les données ont changé, voyez-vous, le gouvernement s'est dit que non, il faut leur permettre quand même de reprendre l'exploitation, mais dans des normes données. Sur le sujet de la saisie de 2575 tonnes de cocaïne dans un magasin, les invités de Théodule Roussa ont salué la promptitude du gouvernement. C'est très important, 2,5 tonnes. Et voyez la patience avec laquelle les autorités béninoises ont travaillé pour opérer cette saisie-là. Ils auraient pu agir dans la précipitation, les produits se seraient distribués. Et là, on n'aurait pas pu saisir une cargaison aussi importante.
Donc, un travail important a été fait. Il faut saluer vraiment ce travail stratégique que le gouvernement a fait. Je pense que la lutte qui se mène, c'est pour dire stop, que le Bénin ne peut pas être le pays où on ne démantèle que des Pablo Escobar, où c'est de la drogue qu'on parle à tout moment. Je pense qu'un jour, ça doit cesser. Et que c'est le signal fort qui est en train d'être lancé. Les démissions au sein des partis politiques et l'actualité sportive, ce sont autant de sujets qu'ont abordé ces journalistes. Nous abordons à présent le volet sport. Ce dimanche, les écureuils du Bénin ont croisé les crampons avec les Taifa Stars de la Tanzanie. Le Bénin a été mené à domicile par la Tanzanie par un score de 1-0. L'entraîneur Michel Dessuyer n'a pas caché ses impressions. Compte rendu avec Stanislas Samoa. C'est un Michel Dessuyer dépité qui fait face à la presse à la fin de la rencontre. Difficile d'avoir des satisfactions quand on perd un match, quoi. Forcément, c'est difficile. Donc très 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 déçu de notre entame de match, c'est ça qui nous fait mal. Cela fait un long moment que les écureuils ont perdu à domicile. Le sélectionneur béninois en mesure l'état d'âme du public. Voilà, je sais que le public est déçu, c'est normal, c'est légitime. Ça fait longtemps que le Bénin n'a pas perdu au stade de l'amitié. Donc c'est un sale coup qui nous arrive maintenant. J'ai dit aux joueurs aussi qu'il reste 2 matchs dans cette compétition, ça reste ouvert. J'avais dit que ce serait un groupe difficile parce qu'il y a des bonnes équipes. Ce sera homogène, donc ça se joue sur pas grand-chose, des détails. Donc on va reprendre et au mois de novembre, on va bien commencer par le match contre Madagascar et espérer donner la victoire à tous les Béninois. Au cours de cette conférence de presse, il fait une lecture du match sur la question des absents dont la présence aurait pu profiter à l'équipe. Michel Dessuyer répond. Quand on a des joueurs titulaires potentiellement qui sont absents, forcément ça, c'est toujours un petit handicap. Maintenant on ne va pas se retrancher et parler des absents. Bah, on a fait une entame de match catastrophique et on a couru derrière tout le temps. Je ne sais pas, quand il y a une équipe qui court et une équipe qui ne court pas, ça devient compliqué. Il faut courir pour défendre, il faut courir pour attaquer. Et en plus, avec un manque de concentration évident. Donc, forcément, à chaque fois, je tiens toujours le même discours. Il s'agit de toujours bien rentrer dans un match. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Et on le paye cher. Des projections, il en fait sur les prochaines rencontres qui s'annoncent âprement disputées. Forcément, il va y avoir maintenant un sprint final qui va être engagé sur les 2 derniers matchs, quoi. Donc, nous, on va recevoir une deuxième fois avant d'aller en RDC. Maintenant, forcément que si on veut continuer d'espérer, ça passera par une victoire contre Madagascar. Après, il faudra peut-être aller jouer une finale en RDC ou alors la Tanzanie aussi jouera sa carte à fond, je le sais, quoi. Ils vont poser des problèmes à cette équipe de RDC comme ils nous ont posé des problèmes à nous. Donc voilà, il faut rester, ça reste ouvert, ça reste serré. Je l'avais annoncé déjà au départ et ça se concrétise. De son côté, le sélectionneur des Taifa Stars de la Tanzanie apprécie la rencontre et fait sa lecture sur le match livré par les écureuils. As I started to say, Benin is a very good team, and I can see my colleague have done a very good job with them. And it has been 2 very even games. First game was 1-0 for and today 1-0. And this is sometimes football. I always say you need a little bit of luck in football to go all the way. You need to perform well, but you also need a little bit of luck. We didn't have that luck in the first game. Today it was very even and we managed to win. I think my colleague will say they should have been getting something out of today. So we won here, they won there, and now we have to go forward. And I have to go now because I still immigration, they have not given my passport back. Juste après le match, quelques supporters nous ont livré leurs impressions. On les écoute. Nous étions venus au stade dans l'espérance de voir notre équipe nationale gagner ce match, mais au compte final, c'est vraiment un grand désarroi pour nous qui avons constaté la défaite. Mais bon, ce n'est que partie remise. Nous espérons que pour les autres matchs de cette campagne éliminatoire de la Coupe du Monde, cette équipe pourra réellement relever son niveau de jeu pour remporter les 6 points à venir. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, il y a eu un peu de changement, seulement qu'on n'a pas été efficace devant les buts. Voilà un peu. Voilà. Et il faut féliciter les jeunes qui ont joué, il faut les féliciter, c'est pas facile.
Bon, moi, ce que je dirais d'abord, la compression d'entrée du Bénin m'a vraiment un peu surpris parce que face à cette équipe tanzanienne qui était vraiment à notre portée, nous avons fait une composition qui a aligné 5 défenseurs. Bon, je pensais quand même que le Bénin pouvait faire une composition de 4-3-3 histoire de rééquilibrer un peu le milieu, notre milieu de terrain qui était un peu dégagné parce que nous n'avons que 2 joueurs. Il y avait Matléo, Arlen Vier, Adé aussi qui n'a pas du tout été de taille ce soir. Je pèse mes mots parce que vraiment sa prestation n'a pas du tout enchanté le public béninois ce soir. Il faut que les joueurs mouillent carrément le maillot parce qu'on a vu aujourd'hui au cours du match, on a vu des joueurs qui se dépassent dedans carrément, d'autres ont poussé, mais il faudrait que quand on commence un match à la fin, il faut donner le maximum de toi. Un match c'est pas 10 minutes, c'est pas 20 minutes, c'est 90 minutes. Au cours de l'émission de décryptage de ce dimanche 10 octobre, le consultant politique Agapit Napoléon-Mafrican est revenu sur le match du Bénin contre la Tanzanie, les réformes sur la décentralisation et le sommet Afrique-France. Suivez le compte-rendu avec Stelia Padon. La défaite des écureuils ce dimanche face au Taifa Stars de la Tanzanie a affecté plus d'un. Pour Agapit Napoléon-Mafrican, c'est inadmissible que le Bénin soit battu à domicile. Comment ne pas être déçu lorsque on a eu le score de jeudi dernier où le Bénin quand même allait faire un bon match face à la Tanzanie et dans son match qu'il a livré à l'extérieur. Donc, 3 points pris à l'extérieur et 0 à l'intérieur pour une double confrontation. On ne peut pas dire que nous avons fait une bonne opération. Donc déjà, la déception vient de là. Pour moi, ce n'est pas tant que la défaite qui fait mal, c'est plutôt cette incapacité de notre 11 national à tenir la pression des enjeux. L'affaire Jodel et Dossou a pu être un élément perturbateur. Là également, est-ce qu'on l'a bien géré? Mais il faut que notre entraîneur apprenne à gérer les entames de match, forger le moral de l'équipe. Les différentes réformes dans le secteur de la décentralisation, notamment les attributions du secrétaire exécutif, étaient au cœur des échanges. À en croire le consultant politique, il est hors de question que les attributions du secrétaire exécutif se retrouvent en concurrence avec celle du maire. Le maire boîte politique, il ne détient pas, il n'a pas propriété sur la mairie. Il est élu, tout comme le chef de l'État, pour appliquer une certaine vision du développement. Oui. Mais moins que le chef de l'État, lui, il n'exerce pas la politique nationale. Il est élu pour conduire les affaires de la... On dit, les conseils territoriales sont administrés par des conseils élus. Oui. Donc, conseil élu, c'est là. Il s'auto-administre. Donc, le conseil communal ou municipal, ayant sa tête le maire, il provient donc de l'élection communale. Et donc, les décisions sont prises par le conseil. Après, la mise en œuvre est du côté de l'opérationnel qu'est le secrétaire exécutif. Donc, du coup, dans la nouvelle configuration, le pays n'appartient, la commune n'appartient pas au maire. C'est une redistribution de rôle pour le bien de notre administration. Agapit Napoléon-Mafrican n'a pu s'empêcher de saluer l'initiative du président Emmanuel Macron, celle d'échanger avec les jeunes de la société civile africaine. Emmanuel Macron est dans sa logique. C'est un jeune de 40 ans qui est au pouvoir en France et qui a éprouvé le besoin d'en finir avec certaines manières de gérer l'Afrique ou de considérer l'Afrique, qui regarde les intérêts de la France comme un jeune de son âge, qui se projette vers les décennies peut-être prochaines, qui voit l'incursion des autres puissances comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, sur le continent, pour ne pas parler d'autres puissances émergentes internes, comme l'Afrique du Sud. Alors, quand tu analyses ça, tu ne peux plus rester enfermé dans le cadre sacro-saint d'anciennes colonies, d'autant que la plupart de ces colonies sont malades. On n'est plus dans les slogans de 90, à mon avis. Et avec les jeunes qui façonnent leur avenir et qui savent que dans 20 ans, c'est eux qui sont aux affaires. Oui. Dans 10 ans, c'est eux qui sont aux affaires. On se projette dans un monde de demain avec des jeunes de demain. Et à mon avis, je trouve personnellement que c'est bien pensé, c'est bien orienté. Maintenant, on va voir la suite. Tout à fait. On va voir la suite. Mais pour moi, le fondement est à saluer.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour les informations de ce 13. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce décryptage juste après moi. Merci de toujours nous préférer pour vous informer.